L'Abba Fouini, Youssouf Touré, mon très cher ami, encore une fois, merci de répondre à notre invitation. Vous êtes artiste, comédien, vous vivez en France, vous êtes au pays pour les fêtes de fin d'année, profiter du temps et puis visiter la famille. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, vous êtes dans le cinéma et puis le one-man show. Oui, c'est ça. Ok. Par quoi vous avez, on vous a découvert dans ce métier? Du coup, j'ai été sollicité déjà en France, quand j'étais en France. On m'a sollicité le collège, et ils m'ont fait sortir mon journal à la Voix du Nord. Et après, ils ont demandé à mon foyer de mettre en l'école de théâtre. Et une fois que j'étais là-bas, j'ai fait un an de formation. Et j'ai quitté là-bas et maintenant, je me suis engagé de faire le cinéma et pour faire évoluer le cinéma guinéen. Et donc, du coup, depuis là, on a dit que ce jeune Guinéen, ce qu'il fait, c'est bon. Mais quelles sont les thématiques, souvent à votre niveau, les thèmes que vous abordez dans vos œuvres? Moi, j'ai fait des réalités de l'Europe. Et surtout, il y a beaucoup de choses qui se passent en Europe. Et les gens de Guinée et de l'Afrique ne savent pas. Et surtout, actuellement, il y a des vraies réalités qui se passent là. D'accord. Vous êtes au pays, est-ce que vous avez pris contact avec d'autres artistes comédiens? Et si oui, les projets que vous avez identifiés? J'ai beaucoup de collaborations, des relations avec les acteurs comédiens qui sont là, tels que Kabakodo, Mingo et Moussa Kofé pas encore, avec les autres aussi. Du coup, je les ai parlé du projet. Le projet, c'est quoi le projet? C'est de se donner la main, de faire évoluer le cinéma guinéen. Aujourd'hui, moi, c'est pas que les Guinéens qui me regardent. Aujourd'hui, il y a presque tous les Africains qui me regardent, qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je fais des 140 000 abonnés et je fais des 10 millions de vues et 8 millions de vues. Du coup, il y a beaucoup d'autres pays qui m'apprécient, qui m'appellent et qui disent que tu fais la fierté de l'Afrique. Du coup, c'est pour cette raison que je suis venu en Guinée. Et pour qu'on se donne la main et pour faire évoluer le cinéma guinéen. Du stand-up, du one-man show, vous le faites aussi au-delà du cinéma. Un show, du genre, avant votre départ. Ou bien depuis que vous êtes arrivé, est-ce que vous avez livré un type comme ça? Oui, il y a un show qui doit être passé aujourd'hui à Bonfi. Après, il y a d'autres aussi qui est le 3. Après, il y a d'autres aussi qui a Kindia le premier avec Kabakodo. Inch'Allah, je serai sur la scène avec Kabakodo. J'ai déjà fait une scène à Kamsar. Ça a été bien passé. On l'a dit, il y a Bonfi aujourd'hui. Oui, il y a Bonfi. Bonfi. Oui. Et du coup, tu partages la scène avec d'autres artistes comédiens. Oui. Alors, pensez à notre ami Mansa Freestyle, le frère. Et puis, lui aussi, il fait bouger la culture de l'autre côté. Il a une manière de faire parler la culture. Oui, parce que lui, aujourd'hui, je peux dire Dieu merci. Et grâce à Mansa Freestyle aujourd'hui et la Bafouini, il y a beaucoup de personnes qui connaissent la Bafouini. Oui. Et surtout à travers de l'Europe. À travers de l'Europe aujourd'hui, parce que moi, je m'habille toujours en Mansa Freestyle. Et c'est lui qui m'habille. Aujourd'hui, il souhaite le bonheur à tous les jeunes Guinéens qui veulent évoluer dans le cinéma. D'accord. Et Dieu merci, et lui aujourd'hui il m'accompagne. Bien, la Bafouini, oui. Retour sur la toile avec quelle adresse? C'est la Bafouini officielle. La Bafouini officielle. Oui. Donc là-bas il y a toutes les vidéos, il y a tout le boulot qui est là. Ouais. Merci à toi Frangin. Grand merci à François qui est à la réalisation ce matin, Sidiki à la caméra, Massiri Alkali Mohamed, Ribéry et puis Yannati Keita. Merci à Keita, merci à nos amis au Nodal, de toute façon bref, l'équipe de l'âge Mfali Kamisoko et celle de Mohamed Lamine Silla. Merci à tous qui nous ont pratiqué depuis 7 heures. Je vous retrouve demain si Dieu le veut bien. Ne quittez pas dans un instant.